Pendant que Boutembo dans le Nord Kivu multiplie des stratégies pour en finir avec le kidnapping, la Lomami, elle, se fait justice. Un présumé voleur a été brûlé vif le dimanche à Luputa, précisément au quartier Mbouyi, en face de l'église néo-apostolique, par la population en colère. Plusieurs témoignages sur place renseignent que ce présumé voleur n'est pas à son premier forfait. Sylvain Fizemoukadi. La justice populaire n'a pas encore dit son dernier mot au territoire de Lulu, nous sommes précisément à Luputa dans la province de Lomami. Un autre cas a été enregistré le dimanche du mai dernier vers 5h du matin. Il s'agit d'un homme répondant au nom de Kitenga Walela José qui a été brûlé vif par la population du quartier Mbouyi en colère et déjà fatigué des cas de vol. Selon les recoupements, les présumés voleurs avaient réussi à emporter un rideau, des cahiers et quelques bulletins d'un monsieur du dit quartier. Monsieur Kitenge Walela José, le présumé voleur, a déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Cabinda plus de deux fois, condamné par le tribunal de paix de Mweneditu une fois pour le même cas de vol. Ici est de signaler que la victime a été inhumée le même jour par les éléments de la Croix-Rouge. Depuis la province de Lomami, Sylvain Fizemoukadi Biwa.